cette mélodie joyeuse, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Pour aller quitter nom ou chanter matin devant mon Dieu. Et on va virer dans 67, réveillons-nous pour nom moins chanter nom ou bon Dieu puissant. 27 mélodies joyeuses. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs le Yeah.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au capable Chita, avant de passer lecture, non, qui va faire à la gloire de Dieu, à nous chanter 144 sur Taïcha, et avec moi-même, qui va faire lecture là, dans Actes 18, versets 1 à 11, à la gloire de Dieu, n'a pas chanté 144, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Seigneur,
Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Oh, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à ta bénédiction. Oh, félicité suprême, oh, félicité suprême. Je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimas le premier. Oh, le parfait bonheur, oh, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à ta bénédiction. Le parfait bonheur. Praise the Lord. Praise the Lord. We'll be reading Acts chapter 18, verses 1 to 11. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome, and he came to them. So because he was one of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. When they opposed him and blasphemed, he took his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on, I will go to the Gentiles." And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, one who worshipped God, whose house was next door to the synagogue. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household. And many of the Corinthians, hearing,
not be afraid, but speak, and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you to hurt you. For I have many people in this city. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Amen. Nous allons faire cette même lecture en français alternativement. Actes chapitre 18, versets 1 à 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Actes chapitre 18, versets 1 à 11. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut rejoindre parce qu'il m'attend de nous lire. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ensemble, il y demeura un an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Que Dieu aille bénir cette portion de l'Écriture lue. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au pas. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais.
tiens pas là. Mon Dieu fidèle, mon Dieu, oh fidèle, ou pas, j'en pas là. Dans n'importe sa mie, ma vie fait confiance et moins qu'on est à pas. Je répondrai à Jésus. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Allez, Jésus. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas ni comment. Alléluia, la moins bénie, non.
c'est ça qu'aime désirer. Jésus, au merveilleux nom, Jésus, précieux nom, il est
maintenant un nom béni et saint. Glorieux nom, amen. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Pas grand monde qui a travé, créons l'autre nom, même l'œil pas de cocon Jésus. Mais l'entravé, le dit, oh my God, amen. Yo pas voulu accepter, mais yo connaît. Matin, dit, mon Dieu, merci, est-ce qu'il faut qu'on non ça? Un nom si précieux, un nom si merveilleux. Non si grand après li pa gen l'autre encore et pa chanm gagne et pa chanm gagne avant matin on deserve pour belle gloire gloire à Jésus. Nous rentrons dans grande prière nous qui va faite par la sœur Irlande Fabre. Nous allons chanter 58 gloire à l'agneau. Les ou en bas nuage avec tempête, chant et souris ou yon allé. Ou kon gen quelques problèmes ou kon gen yon pas ka souri encore, ou pas ka ri encore, ou pas ka chanter encore. Mais qui te m'di ou, li konne ça, li konne tout bagay. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle et il demeurera fidèle. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Cherchez, présence-les, il va y la paix, consolation.
Yeah.
connaissant. C'est pour lever mes fais bon Dieu sentir, j'aime reconnaissant. C'est pour lever mes fais bon Dieu sentir, j'aime reconnaissant. C'est pour lever mes fais bon Dieu sentir. Envers notre Dieu, le très haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit, béni soit, béni soit le Dieu très haut, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, amen. Alléluia, pour nous célébrer ton nom. Nous d'accord.
tout suffisant. Vous êtes le Dieu fidèle. Vous êtes le Dieu qui a toute autorité. Vous êtes le Dieu qui fait miséricorde. Vous êtes le Dieu, amen, qui va jamais terminer bonté envers nous. Chaque matin, vous renouvelez. Et ça fait matin, Seigneur, nous encore vivants. Nous encore vivants pour nous chanter, louer. Gloire à Dieu. Matin, Père. Comment, Seigneur Dieu, amen, pour nous pas penser à sacrifice dans le bois calvaire, à travers Jésus-Christ, le petit tout que vous voyez. Alléluia, pour te prendre péché, nous, amen, qui va nous accès à ton trône, qui va nous accès, amen, alléluia, en ta présence. Matin, Seigneur, nous louer, nous crier, vive bois calvaire, nous crier, vive le sang de l'agneau. Amen. On te que chaque agneau que tu as piqué, même là où tu as inspecté l'agneau, avant même que tu as offert comme sacrifice, mais il n'y a pas de suffi. Jusqu'à ce que tu acceptes par petit tout Jésus-Christ à la croix. Petit tout qui t'a accepté, amen, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui t'a accepté pour chasser ça pour nous. Et qui va nous aujourd'hui à liberté. Qui va nous liberté pour nous capables de chanter. Il va nous liberté pour nous capables d'entrer en communion avec vous. Il va nous liberté pour nous capables de prier. Il va nous liberté, amen, laissez nous crier, alléluia, ou tendez-nous du haut des cieux. Parce que Seigneur, nous vous merci, merci pour ce ça, Jésus, merci pour ce ça, amen, alléluia. Et maintenant, on a célébré le sang de Jésus. Le sang de Jésus, amen, qui n'a jamais perdu puissance. Le sang de Jésus, amen, alléluia, qui montait sur montagne, qui puis haut. On y descend dans la vallée, qui puis bas. Lui rentrait dans l'hôpital. Lui rentrait, amen, alléluia, soyez heureux. Lui rentrait dans la vie, nous. Lui rentrait dans l'homme, nous. Lui rentrait dans la pensée, nous. Lui allait à Haïti. Il traversait le monde entier, l'univers. Alléluia, il rentrait en bas la main. Il rentrait de tous côtés. Parce que où son Dieu, amen, qui gagne tout pouvoir. Oui, Seigneur, où tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, c'est ça qui fait nous couper devant l'autorité. Nous prosterner devant la puissance. Où il y a tout pouvoir, vrai. Si jusqu'à présent nous là, c'est pas mérité, nous mériter. Amen. Mais on fait nous faveur. Nous gagnons la vie. Nous gagnons la vie, nous gagnons santé, nous gagnons la joie, on a persévéré, gloire à Jésus, nous résister en bas épreuve, nous résister en bas malheur. Hier soir, c'est pas attaque qui va le faire, mais nous crions au nom de Jésus, le sang de la croix, t'a couvri, building nous, l'y couvri, amen, alléluia, chambre quand nous habiter, l'y couvri, quartier, amen, l'y couvri le nord, le sud, à l'est, à l'ouest, découvrir grâce à le sang de Jésus. Amen, alléluia. Ou rentrer vers maladie. Oui, Seigneur, où est la vie? Où es-tu encore? Où est Seigneur Dieu? Où est la vie à Sœur Rosé? Où est la vie à Sœur Maude? Où est la vie, Seigneur Dieu, à Sœur Venkam? Il entre à l'hôpital, c'est vrai. Mon pas quitté, Seigneur Dieu, car plus mal que ça. Matière, Seigneur, nous portons adoration pour vous. Nous portons adoration pour vous. Et nous d'accord ou du monde qui espère dans vous, nous pas qu'à sortir monte. Alléluia, à l'éternel, la terre est ce qu'elle referme, le monde est ce qu'il habite. Matière Seigneur, nous content, parce que vous faites de nous-mêmes héritier power. Nous content, parce que c'est vrai, la vie nous appartenu à vous-mêmes. Et Matière, nous nous merci, vous avez contrôle la vie nous, vous avez contrôle petite nous, vous avez contrôle famille. Matin, oh Dieu, nous remettons serviteur. Alléluia, l'ange de ce ministère. Nous remettons le brebis. Amen, alléluia, tout brebis. Qui gagne un seul, alléluia, un seul but. Pour nous chercher présent sous. Nous remettons, Seigneur Dieu, berger nous. Berger l'église encore placée à la tête. Matin, Seigneur, nous demandons au Seigneur. Fais-nous cadeau les sept esprits. Fais-nous cadeau les sept esprits de la caillou. Pas oublier par l'esprit de la révélation. Pas oublier par l'esprit, alléluia, de discernement. Pas oublier, moins, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Parce que sans cet esprit, Seigneur, il n'est pas capable de conduire pas vous. Seigneur, maintenant, puisque c'est vous-même qui s'est paraclé l'église, Seigneur, nous
demandons que cet esprit est capable, alléluia, si on est, remplis-nous, remplis madame ni, remplis visite, remplis Seigneur Dieu, moniteur, monitrice, école du dimanche, remplis Seigneur Dieu, amène les anciens, remplis les musiciens, remplis les hochets, Seigneur, remplis Seigneur Dieu, nos visiteurs, remplis, inondez-nous, ma Dieu Seigneur, nous manons, on va plonger nous, Seigneur, on va immerger nous dans le fleuve, dans ton fleuve, parce qu'on est fleuve dans la cité, réjouis, Seigneur. Réjouis-nous, Seigneur. Réjouis-nous de ta cité. Ma Dieu, Seigneur, nous remettons servant tout, Seigneur, qu'à diriger, service tout, Seigneur Dieu. Nous remettons, Seigneur Dieu, pays côté que nous y est, Seigneur. Gloire à Jésus. Pays d'Haïti, côté nous sortis. Oh, ma Dieu, Seigneur, nous connaissons, Seigneur Dieu, tout pouvoir et la caillou. Seigneur Dieu, alléluia, Luc, révèle-nous. Dans Luc chapitre 8, amen. Depuis qu'on te paraît, l'esprit démoniaque là te connaît. Où c'est le fils du Très-Haut. Il te aurait la moue. Fais parle. Qui s'est gravé. Il n'y a pas qu'attendre qu'on t'apparaît. Mais l'on te paraît, il te coupé devant. Mathieu, Seigneur, nous demandons. Pas nous force nous. Pas nous force nous. Pas nous, Seigneur Dieu, résistance. Pas nous pouvoir ou. Pas nous puissance qui la caille ou, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas capables de gagner n'importe comment. Aidez-nous, Seigneur. Apprends-nous à arrêter sous genoux, nous. Apprends-nous à planer. Apprends-nous à arrêter des mains en l'air pour nous capables de chercher présence. Nous. Mathieu, Seigneur, nous voulons gagner plus à ça, tout. Nous voulons gagner autorité, ça, Seigneur. Sur le monde, en dans l'église, Seigneur. Parce que Jézabel, il y a qu'on campé. C'est campé, on compte campé devant l'église. Mais qu'on y a les Jézabel rentrer même. Pour qui ça? C'est parce que nous pas prier. C'est parce que nous pas résister. C'est parce que nous pas veiller. Seigneur, apprends-nous à veiller. Seigneur, vous faites grâce. Vous faites grâce chaque jour. Mais nous pas veiller. Mathieu, Seigneur. Mais nous voulons rester à l'école. Mettez-nous encore. Mettez-nous soumis. Mettez-nous, Seigneur, disposés pour nous apprendre la caillou. Parce que Seigneur, c'est au professeur. Instruis-nous, enseignez-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur, de ta présence. Mathieu, Seigneur, puisque Seigneur Dieu, dans le premier dimanche, 11e mois, nous ne pas t'attendre si nous t'avons, mais Dieu vous fait grâce. Dieu vous fait grâce. Vous faites-nous faveur. Vous permettez, Seigneur, dans le 11e mois, jusqu'ici, nous sommes capables de communier avec vous. Jusqu'ici, nous renouvelons nos sacrifices. Mathieu Seigneur, on va bénir les membres. On va bénir chaque membre, chaque Seigneur qui dispose pour capable renouveler à ça. Alléluia. Mathieu Seigneur, et ça n'est pas capable. On va créer un chemin pour vous, Seigneur, et on va rentrer dans l'arche là. Parce que qui sait, personne ne connaît qui joue à fini. Nous ne pouvons pas plonger dans le séjour des morts. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, autant que nous avons vécu sous terre, que la vie nous, ou capable de régner dans la vie nous. Que la vie nous, volonté nous, capable de nommer. Que la vie nous, capable de contrôler par le Saint-Esprit. Ma Dieu, Seigneur, nous bénissons. Nous nous remercions, Seigneur. Nous crions, nous faisons victoire. Nous crions, nous faisons victoire. Parce que 11e ça, amen. Oh Noël, Seigneur, nous remettre dans main. Nous remettre l'église dans main. Dans 11e ça, 11e mois ça, le mois de novembre, côté démons à fêter, démons à faire ravage. Mais nous-mêmes, au nom du Saint-Verset de l'agneau, au nom du Saint-Verset de l'agneau, amen. Alléluia, nous faisons victoire parce que nous sommes pieds, parce que nous sommes présents. Et nous demandons, Seigneur, couvre-nous, cachez-nous, amen. Prends direction, Ewea. Prends direction, Seigneur Dieu. La vie petite, nous, les petits enfants, Seigneur Dieu, qui nous plan. Seigneur, les parents, Seigneur. Les dames, Seigneur. Les hommes, Seigneur. Prends direction, nous, Seigneur. La vie, nous, Seigneur, capable de conforme à ta volonté, Seigneur. Aide-nous à y la crainte pour nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, enseigner, petite, nous, petite, nous, la crainte pour nous, Seigneur. Qui a plus le temps pour nous travailler, qui a plus le temps pour nous manger, qui a plus le temps pour nous garder la télévision, qui a plus le temps pour nous
capable d'aller dans Facebook, dans YouTube, pour nous regarder, on sait de la capsule dans nous, mais pas de temps pour lire la Bible, pas de temps pour nous rester dans la prière. C'est pressé, pressé. Seigneur, qui le jour va arriver pour nous capable de chanter, pour l'air, pour ne pas faire là, pour nous capable de chanter, pour nous capable de brûler. Alléluia, alléluia, que tu es grand. Maintenant, Seigneur, nous louons. Nous continuons à nous merci. Parce que le plan où c'est pour nous, c'est plan de bonheur et non de malheur. Pas qu'à bail mentir, parce que son bon Dieu est maintenant qui a la vérité. Maintenant, Seigneur, mettez vérité ça dans nous-mêmes. Pour tout côté nous passer, Seigneur, oh Alléluia, quel que soit prix que lié, pour nous capables de la vérité. Parce que c'est là l'ennemi en bas de nous. C'est là, Seigneur, Dieu nous rentre dans la pompe. C'est là nous rentre dans notre travail, la pompe. Seigneur, maintenant, nous nous merci. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait. Merci Seigneur pour fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ou entrant dans notre travail là. Seigneur, ou craser plein ennemi. Nous nous merci Seigneur pour Blanca. Merci Seigneur. N'était-ce pas ta main Seigneur. Alléluia. Nous mettons tant d'oxygène. Alléluia. Nous mettons Seigneur Dieu. Côté que rien fil courant. Blanca roté. L'icopé à la hauteur d'homme. L'itombé Seigneur. Et mais où t'es que t'as paré pour te ramasser Blanca. Mathieu Seigneur, moi loué non. Et vous pouvez, c'est où fait le vrai Seigneur. Pas que yon mot qui sorti. Au sang qui t'a fait cailler. Sans Seigneur. Ou qui tombe là-dedans. Pour faire qu'on est. Que c'est vous même qui bon Dieu. C'est où qui fait. Mathieu Seigneur, nous nous merci. Et nous loué non. On va continuer à camper en notre travail. On va continuer à camper, Seigneur. Alléluia. Tout côté que nous y est. Afin que gloire. Alléluia. Capable de manifester. Mathieu, Seigneur, nous m'adore. Bah nous, nouveau chant. Bah nous, nouveau témoignage. Pendant mois de novembre, nous bénissons, Seigneur. Rentrez, Seigneur Dieu, dans tout plan. Dans tout, Seigneur Dieu, amen. Plan l'église, là. Dans tout, Seigneur Dieu, activité. Fais-nous grâce, matin. Et avec nous, continue à bénir nous, Seigneur. Pendant la journée, pendant le service, là. Et toute gloire va revenir encore à vous-même et à vous-même seul. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous dans l'ancien mois. Et nous prenons rendez-vous encore. Nous prenons rendez-vous déjà pour le 12e mois, Seigneur. Et de nous compter tes bienfaits. Et de nous compter pouvoir. Et de nous compter puissance. Dans le nom de Jésus, nous prions au Père. À vous-même seul revient la gloire, la puissance, l'autorité, l'honneur, le respect. Quand tu es dit, Seigneur, nous nous merci. Merci Seigneur. Amen. Jésus t'es fait. Noyon, crèche mi, terrap 88, font y camper. L'idée tout. Et pas on lit et mab. Et pas on lit. Yeah.
Pasteur, non? Dans les annonces à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. À nous crier, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Louange à toi Jésus. Béni soit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous saluons matin dans le nom de Jésus et nous remercions le Seigneur dans sa grâce infinie qui a accordé nous encore ce matin notre privilège pour nous capables dans sa présence et en même temps passer des moments agréables à ses pieds dans la louange, dans l'adoration et aussi à l'écoute de sa parole. Donc nous comptons et nous disons bienvenue à chaque personne ici présente ce matin, soit en tant que membre de l'Église ou en tant que d'autres serviteurs et encore servantes, et que le Seigneur t'ait voulu pour avec nous matin, nous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. We say welcome to each and every one of you who comes here this morning to worship God with us. It's a great privilege, and we thank God for that. Feel free to continue to worship with us
and to receive all the blessings that God is pouring over us this morning. So on nous rete ensemble, on nous prie ensemble, et le Seigneur gagne grâce pour chacun de nous. Nous accueillons d'une manière spéciale la sœur Esther Morancy-Charles, et n'a pas de l'est capable de camper. Sœur Esther Morancy-Charles, et ses deux filles, Christy et Chrisley, qui est avec nous matin, hein. Il est capable de saluer nous à la gloire de Dieu. Il va dire nous qui est-ce qui a invité eux à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci et encore une fois, bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, capable de répandre sur vous, chacun de vous, ses grâces excellentes. Merci au Maître Chita. Priez pour vous-même et priez aussi pour Esmom, famille, là, qui Haïti et nous connaît le Seigneur. Et il n'est pas seulement le Dieu de New York, mais il est aussi le Dieu d'Haïti. Il va veiller sur vous-même et lorsque bon Dieu va permettre, on va retourner à joindre nous et nous va continuer par bon Dieu gloire. Nous accueillons aussi notre plan la sœur Josette Jean-Baptiste. Et elle est capable de saluer notre à la gloire de Dieu. Sœur Josette, il semble que le gars a un petit monde solide, pas capable de camper. On va prier pour lui-même. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous, elle est accompagnée sans doute par la sœur Déborah, qui est petite fille et sœur Paul et frère Paul. Et nous comptons au matin que grâce mon Dieu capable de reposer son même. Nous saluons aussi la présence de la sœur Descopins Rose. Sœur des copains capables de camper et saluer nous à la gloire de Dieu. Amen. Pour la sœur des copains, c'est par monde qui a invité le journal. Elle est invitée par le Saint-Esprit de Dieu. Et on va prier pour lui, bon Dieu capable de tout qu'il y ait la grâce.
et qui t'aime nous porte là toujours grand ouvert à nous-mêmes et à toutes ces personnes qui sont avec nous maintenant. Chaque fois que le Seigneur permet, on nous joint ensemble pour être capable d'adorer son Saint-Nom en attendant son retour qui est imminent, car Christ est à la porte. Il y a une façon de vivre, une façon de parler, j'ai pensé, il a ignoré le retour de Jésus. Et pourtant, il est à la porte. Christ est à la porte. Avant même pour aujourd'hui, pour réaliser, Christ a été retourné. Donc ce matin, nous comptons, on nous prie pour bien aimer ça, on prie pour être partout, pour nous capables de rester ensemble. Il y a quelques personnes qui partent avec nous matin, hein, l'église vient pour devoir, pour prier pour eux, et de telle sorte que pour nous capables de continuer encore, persévérer ensemble. Nous réclamons vos prières et aussi on va continuer à remercier le Seigneur pour la sœur Rosée Marie, comme on est hospitalisée, mais qui est sortie dans ce maintenant. Donc, priez bon Dieu pour capable de continuer à stabiliser. Et nous sommes certains, bon Dieu, dans la grâce, il est capable de faire ça. Sa docteur est capable de faire, bon Dieu est capable de faire. Est-ce que vous croyez ça matin? Gloire à Dieu. Et l'autre monde nous parle matin, peut-être qui est retenu par d'autres activités de travail ou encore maladie, priez pour eux. Et chaque monde qui est dans la salle là, même là, nous ne pas citer non. Et d'une manière spéciale. Mais sachez que, ou cher à nous-mêmes, et le Seigneur compte en présence sur ma terre. Et cet après-midi, nous n'avons pas bien service dans le temple. N'oubliez pas, c'est le premier dimanche du mois. En tant que tel, chaque premier dimanche, excepté si nous avons des activités spéciales, nous n'avons pas réunis dans le temple, mais nous quittons l'open pour ce qu'on appelle évangélisation personnelle. Donc, qui donc cet après-midi, c'est une bonne occasion. Si vous avez bien aimé, besoin de l'ouest, soit à l'hôpital, ou bien à la maison, ou bien dans le nursing home, on va profiter de ça et le Seigneur va récompenser in due time, dans le temps qui, que le marqué va capable de récompense là. Donc, après-midi, à nous pas rassembler, mais quand même, il y a d'autres activités capables de faire pour le Seigneur. Mercredi soir, nous attendons dans le temple. Chaque mercredi soir, il y a un service que nous aurons les piscines de Bethesda à partir de 7h30. En nous venant ensemble pour nous capables de prier et continuer par le Seigneur gloire, qu'il est même seulement mérité. On seul crie nous gagne le mercredi soir. Seigneur, nous pas gagne personne. Nous pas compter sur l'argent, sur relation, sur diplôme, sur tout ça n'est capable gagne assurance, mais nous dit Seigneur, nous pas gagne personne. C'est notre cri chaque mercredi soir, donc joignez ensemble avec nous. Ce vendredi, nous n'avons pas d'invitation, nous pas payer, nous pas gagne l'église pour nous aller vendredi si Dieu veut, nous pas sortir. Et dans samedi matin, va gagner jeune à l'église et ensuite dans dimanche encore nous va retourner pour nos activités habituelles dans matinée. Dans l'après-midi, j'en ai déjà fait annonce, nous va gagner notre réunion d'affaires. Côté nous va chiter ensemble pour nous faire évaluation pour cette année, en même temps recueillir des idées qui va permettre nous projeter pour l'année 2020 qui déjà à la porte, qui presque arrivé sur nous-mêmes. Donc dimanche soir si Dieu veut, une dit l'autre, en nous joignant ensemble pour les membres de l'église. Nous va chiter ensemble pour nous faire évaluation, ensuite recueillir aussi des idées qui va permettre nous mieux avancer ensemble et travailler tout de mieux en mieux. Donc nous quoi c'est toute annonce que nous avons pour même et j'en nous dis n'oubliez pas que Christ est à la porte. À nous faire ça qui bien, à nous dire ça qui bien, à nous penser ça qui bien. Car l'autre bagarre au besoin fait tout, il faut aussi veiller. Il ne faut pas seulement prier, mais Jésus de dire qu'il faut veiller et prier. Ça veut dire veiller sur corps d'abord, veiller sur amour, veiller sur action, veiller sur parole. Ensuite, veillez le retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous demandons avec mesdames, nous sommes capables d'avancer à la gloire de Dieu. Nous sommes capables de chanter la gloire de Dieu. Et après, nous ne pouvons pas le faire Colette. Nous demandons au va préparer et Brother Ralph il va exécuter un morceau pour nous à la gloire de Dieu.
Alléluia au Sauveur, à Jésus le libérateur. Alléluia. Amen. Nous m'a dit au chœur, on va préparer ou même qui t'es pour qui choy pour te déposer dans basket là. Et tout temps toujours doux ça pendant semaine. Ou te lever bonheur pour t'aller dégager ou pour pain quotidien. Et me quoi ou te retirer ti pas bon Dieu, pas vrai? Et m'attendre amen. Ça pas gain amen la donne. Ah, attention, nous ça pas gain amen. Amen. Gloire à Jésus. Toutes les fois on fait ça. Bon Dieu, va bénir plus. Nous m'en disons, chère, va préparer yo. Nous m'en disons, chère, va préparer yo. Pendant que Brother Ralph, il va l'exécuter un morceau à la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Marche ton chant pour la gloire de Dieu. I will lift up mine eyes to the hills, from its cometh my help. My help cometh from the Lord. The Lord which made heaven and earth, he said he would not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, he will not slumber nor sleep. Oh, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade. Upon thy right hand, upon thy right hand, no, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul even forevermore. My help, all of my help cometh from the Lord. I will lift up mine eyes to the hills, from its cometh my help. My help cometh from the Lord, the Lord which made heaven and earth. He said he would not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, he will not slumber nor sleep. Oh, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade. Upon thy right hand, upon thy right hand, no, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul even forevermore. My help, all of my help cometh from the Lord.
Jésus, yeah. All of my help cometh from the Lord. Tout espoir moi, c'est en Jésus, yeah. Oh. Espoir moi c'est dans Jésus lié. Oui, au cachet là, il va vouloir chanter ma prendre au grain bagrain. Amen. On nous mettez nous debout avant nous remettre pasteur pour le message de la parole de Dieu. N'a pas chanter. Jésus mandé ou briller côté où il est. Tout chrétien baille lumière tout partout. On nous mettez nous debout, mettez nous debout. 91 et puis n'a pas combien lié m'a travail pour Jésus dans voyage moi. Jésus mandé ou brillé pour lui côté ou yé. Tout chrétien baille lumière tout partout. Brillé dans famille ou dans travail côté ou yé. Brillé pour Jésus côté ou yé. Brillé pour Jésus côté ou yé. Brillé pour Jésus côté ou yé. Côté où y est, priez pour Jésus, côté où y est, priez pour Jésus, côté où y est, lumière ou cabelle, on a perdu, joint Jésus, priez pour Jésus, côté où y est. C'est grand grâce que bon Dieu fait ou vini en lumière, les péchés, ténèbres entourés. Côté à nous prier, priez pour Jésus, côté où y est, priez pour Jésus, côté où y est, lumière ou cabelle, on a perdu, je veux Jésus, priez pour Jésus, côté où y est. Si vous voulez briller, on joue à Jésus dans le ciel, là. Lumière, on doit l'immer sous la terre, parce que bon, t'es placé, nous. Ici bas, priez pour Jésus, côté où est. Priez pour Jésus, côté où est. Priez pour Jésus, côté où est. Lumière ou cabelle, on a perdu de Jésus. Priez pour Jésus, côté où est. Priez pour Jésus, côté où est. Priez pour Jésus, côté où est. Yeah.
Paul, il va prier pour nous, pour le messager et Colette à la gloire de Dieu. De nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de vie. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Jusqu'avant de délivrer le message de la parole de Dieu, nous t'aimons, cher, une nouvelle avec vous, annonce avec vous, parce que nous t'avons oublié de faire ça tout à l'heure lorsque nous t'avons fait annonce. C'est concernant Silao qui est ici, qui a un TPS, et qui n'a pas qu'une résidence, mais le Seigneur te permet de quand même moyen dans mes yeux, pour être capable de fonctionner. Nous connaissons dans les mois écoulés, tu as pile inquiétude. Côté en pile, on a demandé what's going on. Il est vrai que tu as un short extension qui est supposé terminer dans le mois de janvier, qui prend 2020. Mais n'oubliez pas, Jacques, que nous avons dit, quel que soit le monde, bon, c'est qui n'a pas de papier, et restez calme. Soyez assurés que le Seigneur contrôle les bagailles. Pas affolé, non seulement l'eau affolé, mais on a pris comme dans mon mal. On peut le dépenser comme vous, grand merci.
plein agent de haut, agent immigration qui valise yo nan mais qui pour prendre comme nan mais moun yo connaît pas gen papier moun nan peur a bien des babao. Donc ça kendo di moun za be careful parce que gen pile mauvaise activité k'ap fait de haut. Et puis rete calme, rete sous compte bon Dieu parce que bon Dieu gen face pour avancer ensemble avec ou. Et vendredi dernier, et bon Dieu permet que le gouvernement li ba une extension qui beaucoup plus longue. Qu'on y a terminé dans le mois de janvier 2021. Ça veut dire que qu'on y a donc don't worry, be calm et parce que bon Dieu gen contrôle bagaille. Projet et gouvernement, actuel gouvernement ça c'est pour te ramasser tout haïtien voyo la caillo. Et ceci depuis dans summer time là. Mais tu gen pile intervention que tu fait, bon Dieu permet que tu ba quelques mois. Il y a que nous doute tu pas terminé en janvier 2020 et vendredi dernier et Homeland Department Homeland Security il prend un décret côté pour 6 pays parmi lesquels Haïti la donne El Salvador etc. donc et li officiel donc il extend ni pour même qui gagne TPS pour jusqu'à 2021 donc janvier 2021 donc on va chercher nous là avec peut-être monde qui inquiétude grand pile monde qui quitter boy ici calé Canada Canada voyo dans pays donc grand pile problème. Donc parce qu'il a affolé. Donc on même pas oublier si bon Dieu traverser avant le métro pas boy ici, il cap prend son tout. Donc on seul bagage notre dit tout pas entrer dans bagage qui pas ça pas l'exposer pour aller faire vie action malhonnête parce que des fois font action malhonnête ils mettent mes sous ou capable tout sujet qu'on y a là pour tout voir aller. Mais des pour être calme ou être dans la prière ou fonctionner ou faire ça ou faire. Avoir vivre dans pays jusqu'à ce que bon Dieu va reporter pour même. All right. So c'est une good news, I have to share that with you. Et maintenant, nous parlons entrer dans le message de la parole de Dieu. Et toujours est-il que vous avez une possibilité pour capable record message, ou capable enregistrer, nous pas un problème en ça, et avec ça. Si vous avez un téléphone, nous voulons enregistrer pour faire l'autre monde entendre. Et feel free to do it. Et non seulement ça, vous capable tout pendant semaine et pendant un pile mois, pendant un pile année, vous avez un service à tout sur YouTube. Quand vous capable de cliquer, vous mettez Pasteur Eddie Altheus, my name, leader Yoa, si vous ne connaissez pas bien, l'inanseille. Vous mettez dans YouTube, vous entrer dans la page nous, vous avez tout service depuis combien d'années nous avons fait nos voyages sur YouTube. Quand vous êtes capable de cliquer, garder la date là, date jeudi, c'est 1er et novembre 3rd, 3 novembre, vous capable de joindre, sous terrain, mes services, vous capable d'enjoyer, ou ruminer, ou faire l'autre monde de vous partager, vous voyez l'autre monde tout, vous capable de faire ça. Lorsque nous service ou service là bon Dieu parle à vous n'a mon touché share with somebody else voyez link là bas et puis conseil à vous vous le mettre en Haïti n'importe qui côté partout dans le monde et n'a dit bien aimé donc qui en Haïti est capable suivre nous tous le dimanche chaque dimanche matin nous en ode et à partir de 11h30 seulement entrer sur page là et pour avoir un service nous en direct quel que soit côté dans le monde depuis internet ou capable suivre nous à la gloire de Dieu. Ce matin le Seigneur est voyez nous dans un passage que nous joignons dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, c'est là nous allons méditer ensemble avec vous. The book of Paul to the Romans, chapter 1, and we'll be considering few verses, 13 to 17. Romains, chapitre 1er, et nous allons considérer les versets 13 à 17 inclusivement. Comes right after the book of Acts, il vient après le livre des Actes des apôtres, c'est l'Orient Romain, après Actes des apôtres, après Évangile selon Jean, entre dans Actes des apôtres, ensuite c'est Romains. Okay? Romains chapitre 1er, verset 13 à 17. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
And the last verse, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir et de recueillir quelques fruits parmi vous, comme aux autres nations. Romains chapitre 1, le verset 13. Si nous avons situé cet épître dans le contexte li, et sont familiers avec l'épître de Paul aux Romains, on va comprendre dans le premier chapitre, Paul a une rectification que l'on fait. Et il a une justification en termes que, et à partir de critiques qu'il a adressées à lui-même, que nous allons mentionner seulement deux aspects là-dedans à travers notre méditation. Côté, il semble que les chrétiens de Rome, eh bien, t'es à critiquer Paul parce que ils apprennent comment Paul a évangélisé, comment Paul a parlé dans plusieurs autres pays. Et Paul, pour qu'on entre à Rome, maintenant, il y a un tumulte, il y a un pile critique, il y a un pile de capable d'inquiétude, qui a demandé pour qui ça Paul pas venu à Rome. Peut-être il y a un pile et interprétation qui fait de son absence. Et pendant que Paul a parlé, ses critiques, eh bien, ils sont parvenus aux oreilles de Paul. Alors, le Seigneur, dans sa préscience, l'hypothèse qu'a autorisé l'apôtre Paul pour être capable d'entrer à Rome, à l'évangéliser comme Jacques le fait dans les autres pays. Et M. Romain, les chrétiens de Rome plus particulièrement, ils ont senti que son insulte parce que, d'après Jean eux-mêmes, ils comprennent que d'ailleurs Paul, lui-même en tant que Romain, t'a supposé bien tant venir à Rome, et bien venir faire autant de les oracles de Dieu. C'est la raison pour laquelle au verset 13, Paul de mentionner, j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Même j'aime aller dans l'autre nation, yo, pas comprendre que m'lié non. You are in my mind. I'm thinking about you. I want to come to Rome because I have something to share with you. I have the good news to share with you. Mais moi pas de possibilité ya. Peut-être que moun qui dit Paul, nous connait ça qu'elle parle, il pas voulait venir. Non, the question for you this morning, question que nous gain pour matin, hein, combien de fois qu'on interpréter des situations qu'on pas gain des données concrètes non plus. Et ça cause qu'on péché parce qu'on pas connaît comment situation est ou seulement interprété et puis ensuite ou conclu. Et nous avons l'impression c'est ça monsieur Romain ou t'a fait, il pas connaît les situations de Paul. Seulement on dit Paul pas voulait venir à Rome. Et pourtant le serviteur il dormit avec les Romains en tête lui, il levait avec eux en tête lui. Il dit ça clairement au verset 13, j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Mais pendant la conclue, verset, elle dit, mais j'en ai été jusqu'à présent empêché. Donc, ça me donne, il faut comprendre maintenant, la première leçon à tirer, et dans la vie courante, pas presser tirer conclusion parce que des fois, on a péché. You might be wrong. Et en pile fois, nous clouons en pile monde, nous critiquons en pile monde, on nous dit, nous n'avons pas voulu. Qui est-ce qui nous a voulu, il n'a pas voulu? Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Moun n'est capable de vouloir, mais pas de la possibilité pour le faire. You understand that? Paul est sujet à de telles critiques parce que les chrétiens de Rome comprennent que Paul pas voulait venir à Rome. Et c'est ça que notre tête de rien qu'à retirer. Jusqu'à ce que vous voyez Paul, il y a pas mal qu'on a Paul n'est pas voulu, pas voulu venir, mais c'est vite à dire moi en péché. Peut-être ou même tout capable de sujet d'un pile critique. Peut-être que moun en a et tout, mais quand on sort dans quelques contrats, il dit ou bien nous pas jamais moins tel et tel pas voulait venir. Et pourtant, pensez à eux-mêmes, mais pas vrai. You are thinking about them. But you can't. Ou pas capable, simplement. Maintenant, c'est la première approche que Paul de faire dans cet épître. Quand il rassurait les Romains, c'est pas comme pas de vle, non. Moi, j'ai un projet pour nous, mais m'a empêché. Naturellement, Paul n'a pas donné les détails de cet empêchement. Paul n'a pas détaillé, il n'a pas raison qui fait que le pas de capable d'entrer à Rome. Mais plus tard, il prend quelques indices, quelques clous. Pour nous capables de comprendre que raison.
Remarquez bien. Maintenant, la mission de Paul, et si vous voyez et Romains chapitre 1er au verset 5, après Paul pral dit bien, lorsque moi rencontré avec le Seigneur, non seulement il m'a donné l'apostolat, il m'a donné la grâce, mais aussi l'apostolat, il fait de moi l'apôtre des païens. Romains 1er verset 5. Donc clairement, Paul comprend que oui, c'est romain, oui, c'est juif, l'Italien doit courir précipiter à Rome, mais première injonction que le gagne, c'est pour le téke païen. La paix, bon Dieu, avec vous. En pile fois, moi, qu'on oublie que quitte Job, bon Dieu, ben nous. Des fois, nous quittons Job, bon Dieu, ben nous, et puis nous désorientons. C'est-à-dire que Paul comprend, il dit non, apostolat que le Seigneur m'a moyen, c'est pas tellement pour nous, non, messieurs, les juifs, mais c'est pour le païen, le voyez. C'est ça qu'on aime beaucoup, tout. Parce que nous devons commencer à être païen d'abord. Romains chapitre 1, verset 5. C'était une mission noble et énorme, je dirais. Parce que évangéliser les païens, car Job Paul te gagné, c'est pour mener les païens à la soumission de la parole de Dieu, pour le mener par la foi, puis au croire dans bon Dieu, à travers le sacrifice de la foi, de la croix. Maintenant, il n'est pas facile. Comment voulez-vous ou pour annoncer aux païens, puis au quitter le péché? Ou pour annoncer aux païens, puis abandonner le plaisir, puis abandonner le bagage, mais qui sentit un petit avantage là-dedans, puis aller au-delà de Jésus. Ce n'était pas une mission difficile, chers frères et sœurs. Donc, Paul, tu comprends que les besoins constamment rester dans la présence de Dieu, rester connecté, et aussi pour ne pas faillir à cette mission. Donc, Paul clarifie avec les Romains, ce n'est pas que oublier nous, mais pas oublier le premier job, ce n'est pas pour nous, messieurs les juifs, mais c'est pour païens. Maintenant, regardez bien, Paul va dire aussi, il va préciser, je me dois aux Grecs. Ok? Regardez bien le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et now, pour qui ça Paul mentionnait d'abord, regardez bien, il fait deux catégories. Je me dois aux Grecs, ensuite il dit aux barbares, ensuite il dit aux savants et aux ignorants. La Grèce à cette époque, chers frères et sœurs, était considéré comme étant le berceau de la civilisation mondiale. Ça veut dire, sous pas en Grèce, sous pas étudiant grec, mais sous pas parler grec, sous pas connaître la haute philosophie, sous pas pratiquer les sciences qu'a développé en grec, ou pour qu'on civilise. Donc c'était le berceau de la civilisation. C'est-à-dire que Paul comprend, et bien pour entrer en Grèce à l'évangéliser, il faut qu'il y ait une certaine formation. Et c'est ça que Dieu, d'après Actes des Apôtres, et chapitre 8-9, lorsque le Seigneur a choisi Paul, il dit, moi, fais de même mon instrument, m'a voué devant les nations, m'a voué devant les grands. Et il y a plein dans la tête, il faut que Paul entre en Grèce tout, à l'évangéliser, eh bien, les païens sont capables de soumettre à Dieu. Alors qu'il dit, pas seulement nous-mêmes, les juifs, je me dois aux Grecs et aux barbares. Donc, c'est contraste. Les Grecs étaient considérés comme qui étaient avancés dans la civilisation, tandis que les gens qui n'ont pas l'opportunité de parler même niveau de civilisation avec les Grecs, les Grecs étaient considérés comme étant barbares. Ça veut dire les autres mondes barbares. Ce sont des gens qui sont sauvages. Ce sont des gens qui pas maîtrisés. Ce sont des gens qui pas pétris. Can you imagine how many times they consider us Haitians as barbaric? Oui, des fois, ils considèrent nous comme étant des gens qui barbares parce que nous n'avons pas gagné gros développement la carrière, pas vrai? Mais les Oshita parlent avec nous, déçus, la paix, bon Dieu, avec vous. Ils voient que nous pas barbares, nous ne sommes pas capables de gros développement la carrière, mais nous c'est monde même avec nous, la paix, bon Dieu, avec vous. Là, que nous pas d'accord avec Haïtiens, Dieu élevé en dignité, et puis qu'il dit aux Haïtiens. Je ne doute pas. Au contraire, les gens pensent tout Haïtien, mon tête en bas, leur rencontre avec vous, ils se sentent étonnés, ils disent, yes, I am Haitian. My roots, from Haiti. That's where I come from. Et laissez comprendre que en Haïti, ce n'est pas tout le monde qui est en bas, vous pensez. Et non, Paul comprend les détendus, même non seulement il faut entrer en grec, même doit jouer tout le monde qui considère que baba, parce que bon Dieu besoin de tout le monde. Il n'y a pas besoin de monde seulement qui est civilisé, mais il besoin de monde qui est dans la boîte. Maintenant, l'autre contraste, il pourrait le faire. Il dit, je me dois non seulement aux ignorants, mais moi dois tout aux intellectuels. OK? Aux savants. Parce que en grec, Jean que nous dit, c'est là la science développée. En pile, moyen scientifique d'abord utilisé aujourd'hui, en particulier les mathématiques, bah, c'est en grec qui est développé. Soit prend en pile savant, par exemple, même qui étudie la philosophie, comme étant au bon Socrate,
OK? Soit prend par exemple Pythagore, ou prend Diogène. Grand monsieur ça yo, ce sont des savants grecs. Monsieur ça on s'est développé en pile formule que n'a utilisé que la technologie d'aujourd'hui. Tant que Grèce est considéré vraiment et ben pas gagne monde pas qu'à comparer à l'autre monde, toute l'autre nation en balle. Tandis que faut que l'évangile entre en Grèce. Paul te gagne deux voiles, te gagne mission pour entrer en Grèce à évangéliser. Pour là le faire monsieur comprendre, il est vrai que c'est vrai. Nous avancer nos sciences. Dieu ba nos connaissances, nous civiliser. But you still miss something. Nous manquons bagaille monsieur. Peut-être demandé qui ça? Nous c'est de grands savants. Paul dit don't fool yourself. You still miss something because you need Jesus. Paul a le fait monsieur comprendre en dépit de tout ce monde savoir que nous gagnons ou besoin de Jésus. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, le monde a besoin de Jésus. En pile fois monsieur a battu l'estomac yo, yo très avancé sur le plan scientifique. Mais quand s'y a trait aux choses spirituelles, monsieur fait zéro, la pas bon Dieu avant. Monsieur pas gagné la foi. Monsieur pas connecté avec bon Dieu, là que monsieur fait en pile erreur. Par exemple, dans le pays côté n'a vivre là, monsieur pas manqué l'argent, et pas vrai. C'est sous l'argent monsieur a marché. C'est un pays extrêmement riche. Même là pas une richesse là. Là c'est rich country. En ce qui a trait la science, monsieur très avancé. Monsieur dit la terre trop petite pour nous qu'on a bral dans la lune trop petite pour nous bral dans Mars. Et monsieur a un projet Vénus. Donc monsieur a avancé. En matière d'armement, monsieur a gampil zam, c'est vrai, monsieur est capable de trembler le monde. But you know something, look at them. They look ugly spiritually. They are evil. Why? Because they don't have Christ. They are not connected. They miss the most important things, which is Jesus Christ. Ils ont manqué un bagage qui est plus important parce qu'ils n'ont pas Jésus. Imaginez si l'Amérique a gagné Jésus, pas vrai? Si les membres du gouvernement ont gagné Jésus, la caillou, ils ont pratiqué au précepte biblique, pays a tapis bon, la paix, mon Dieu, avoir le monde tapis bon. Mais c'est parce qu'ils étaient contrôlés par, par l'ennemi. C'est ça qu'on a en pile fois, Jean-Baptiste, c'est ça qu'on a au monde dans Jean-Lier. Ce n'est pas seulement Haïti. L'ennemi a fait travail partout. Et en particulier, il y a même mis sous pays, nous tous. Donc l'important à soi, pour nous capables de comprendre ça, donc Paul avait la mission d'évangéliser les païens en particulier. Il ne parle pas dit les juifs, il ne parle pas de joindre nous, mais c'est faut commencer à travailler avec païens d'abord. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ça, Paul fait comprendre, et bien pas d'exception de personne en Jésus-Christ. La paix bon Dieu à vous. C'est-à-dire qu'à l'église de Dieu de la Nouvelle Alliance, nous pas fait différence. Entre monde qui a un diplôme, monde qui a un degré, monde qui a un cahier, monde qui a un travail, monde qui sont dans haute société, avec monde ça qui sont bas. Aux yeux de Dieu, à mes yeux, nous tous ces mondes, la paix mon Dieu avant. Là, que nous pas permettre certaines bonnes prestations dans l'église, car en Christ, nous sommes un, au pied de la croix, le sol est nivelé, la paix mon Dieu avant. Ou qui a habillé pour 1000 dollars, qui a habillé pour 100 000 dollars, which is fine, ou l'autre monde qui a habillé pour 5 dollars, là, l'entrée de la folle sentit la l'aise, la paix mon Dieu avant. Nous ne pas prêcher la différence ici, comme si pour nous le fait que nous ne pas bien pour nous sentir humilié. If you know somebody who's looking for a place to worship, whether that person will be respected, bring that person here in the New Covenant Church of God. And we mean it. Nous ne pas accepter ça. Pas une question de nous garder l'autre son apparence. Car Christ n'est pas à la croix pour tout bagaille ça. L'avez-vous dit avant? Les Christ à la croix, c'est péché le relais. Les Christ à la croix, le relais moun qui pas correct, commencez sur moi-même. La paix, mon Dieu, avant. Au pied de la croix, le sol est nivelé. Et c'est ça le doyer dans la congrégation chrétienne. Côté regarde les possibilités socio-économiques. Lors où entre force en tient bien, ou dans mis en frère, ou dans mis en soeur. Alors, Paul avait cette mission d'évangéliser les païens, d'évangéliser le monde pour le faire comprendre que Christ. Et bien, il y a un projet pour eux-mêmes. Christ, et bien, il voulait prendre pour changer la vie, pour le mettre dans l'autre dimension. Maintenant, Paul rectifie, lui fait reconnaître, c'est pas vlem bat vle, même pas qu'il y a possibilité pour entrer à Rome. Maintenant, on parle de l'autre approche, de l'autre catégorie, on parle comprendre que Paul, c'est pas vle, le pas vle, non, monsieur, il est peur entrer à Rome. Il a parlé entre eux, pas songer Paul. Monsieur action le qu'on fait là monsieur ta homme monsieur pas jamais retourner homme monsieur honte. Paul dit non, not that fast, wait a minute. Qu'on a Paul râlé Romains chapitre 1 verset 16, il dit car je n'ai point honte de l'évangile là, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God.
For whosoever believes shall have everlasting life. De pour croire dans mon Dieu à travers la puissance de l'évangile, on a gagné la vie éternelle. Paul dit m'ba honte. Monsieur pas comprendre c'est honte moi honte. Pas comprendre moi peur entrer à Rome. Moi pas peur, hein, deuxièmement pas honte mais c'est tombe qu'on gagne. Paul rectifier ses critiques, ça qu'il écrit il dit je n'ai point honte de l'évangile. M'ba connais son même honte l'évangile la matin, la paix de Dieu avec vous. Sous notre travail, n'est pas vrai. Les a parlé de chrétiens, ou pas même entrer dans la conversation parce qu'on l'avoue pas trop correct, n'est pas vrai. Ou qu'on mélange ensemble avec vous. Il n'est pas bon, il shouldn't be like that. Au contraire, on t'a supposé notre travail là son phare, ou son lumière, ou son sel parmi les païens. Même les a parlé pour dire non, et tel par contre, ça non lui-même. Puis on prend comme exemple, comme modèle dans le travail là. C'est ça que Christ relo, c'est ça qu'elle change, c'est ça qu'elle place dans le milieu côté le métro là. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle dit, tenez bien, du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire qu'il prend juif comme étant les appelés, et il considère les grecs comme étant les nations. C'est ça qu'elle considère comme étant tout l'autre pays, mais il seulement prend grec comme étant le modèle. Donc Paul dit, non seulement Dieu, Jésus, pendant le provide l'évangile, l'albanon, puissance de l'évangile là, il va aller seulement pour le monde littéré, les élus, et bien en parlant de Israël, mais le bali tout pour les païens. Et c'est ça que fait nous dans l'évangile, je veux dire. Du juif premièrement, puis du grec. Maintenant, Paul va expliquer aux Romains, lorsqu'il dit car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Paul lui-même lui a fait expérience avec le Seigneur de la puissance de l'évangile. Imaginez-vous, d'après Actes des Apôtres, chapitre 9, Paul étant sur le chemin de Damas, avec des mandats en main, quand il pral arrêter, il pral persécuter les croyants, il pral persécuter les chrétiens à cause du nom de Jésus-Christ. Et puis chemin faisant, le Seigneur, il pral arrêter Paul, il pral dit Paul d'après Psaume 46 verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il pral prend Paul pour changer Paul de direction, il pral reset mind Paul, il pral changer brandy. Paul pral what we call in English, he was going to be born again. À cause de la puissance de l'évangile. Qui moun qui était capable de changer Paul? Même le gouvernement romain tout entier, pas de puissance pour te changer Paul. Le Sanhédrin pas de puissance pour te changer Paul. Parce que Paul était tellement bien instruit, il était positionné dans le judaïsme, pas de gang qui était capable de faire Paul déplacer, sinon que Jésus-Christ. Nous dit béni soit l'Éternel. Alors, au grand Seigneur, merci pour l'évangile. Sous la jodie, oh, c'est moun de bien, c'est parce que l'évangile sont puissants. Sous la yo di yo pa nan monde la fait ça pas ça c'est parce que l'évangile sont puissants ça gen moun matin k'tap nan prison I'm telling you si l'évangile pas ton puissance ça gen moun matin côté oyé c'est non péristyle yo tapier si l'évangile pas de puissance ça gen moun matin nan mauvaise action tapier if the gospel wasn't that powerful si l'évangile pas ton puissance matin ça que Paul de mentionner de préciser j'ai trouvé dans l'évangile une puissance. C'est la puissance de Dieu de transformer les cœurs. C'est la puissance de Dieu de changer les esprits. C'est la puissance de Dieu de sauver les âmes. Paul comprend la puissance de l'évangile. That's the power of God. Qui t'aime nous matin, let me tell you something. Si moi-même, quand dans l'évangile, l'évangile y a puissance. I don't know for you. Parce que moi, je ne sais pas si pour le faire entrer dans la bagaille. La paix pour Dieu avant. A bien les montrer là-dedans, c'est garder moi là-dedans. La paix pour Dieu avant. A bien regarder, même si on t'a payé pour me sortir, on n'y a pas qu'à sortir là-dedans. Et on va vraiment sortir là-dedans. Regardez, on va aller. La puissance de l'évangile. The gospel is powerful. More powerful than a missile. Ni plus puissant qu'un missile le matin. Combien de fois, les Américains, les grandes nations, ils ont déplacé. Ils ont jeté en pile l'argent. Vous pouvez comprendre des fois un missile coûte more than $1 million. Can you understand that? Et les applagés, les lagés, les papilles. Explosion. Mon ap mouri sap coule, bah à la rythme, même j'en ai pas changé. C'est-à-dire que sous ton train en ville, ça va dire, tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang. Versé pour moi et ta voix qui
m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je assassin t'a déposé les armes, bandit t'a jeté couteau, yo t'a déposé action malhonnête, yo t'a pas lié yo, yo t'a changé avec les âmes aux yeux, yo t'a dit Seigneur change la vie moi. Et société a t'a transformé, société a t'a changé, pas t'a bien toute bagaille ça encore. C'est ça qu'Haïti pas besoin d'âme, Haïti pas le problème là, Haïti besoin Jésus, le monde besoin Jésus matin, car c'est Jésus qui a transformé yo. Il a bâti prison. Il a multiplié prison. If you go upstate, you could see that. It's really hurtful when you go over there. Big prisons. A lot of people inside, but they never change. La paix, mon Dieu, avant. They got assaulted. Some of them got 20 years, 25, some of them got life, but they are still criminals because they don't have Christ. Seulement la puissance de l'évangile peut changer, chers frères et sœurs. Can you imagine this morning? A lot of young people, they are out there doing evil things because they are blind, they don't have Christ. Somebody have tested it, but they threw it away. But you know something? God has the power to go and bring them back. La paix, mon Dieu, bon Dieu, il y a pouvoir pour la chercher au matin. T'as que maintenant, une puissance dans mon pas réalisé, c'est la puissance de l'évangile. C'est ce que Paul de mentionner dans Romains chapitre 1 verset 11. Monsieur Mbataka, on a un pouvoir comme ça. Regardez-moi, look at me today. Nous connaissons des criminels longtemps. Longtemps nous sommes des. Maintenant nous sommes nouveaux en Jésus. L'évangile tellement de puissance. Paul ramasse tout degré. Paul ramasse toute connaissance. Il regarde monsieur Mbataka, il va nous valer. Même si la bouée en papier, moi, crise devant moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Are we able to say that this morning? If you are living, because Christ is living within you. C'est Christ qui vit en moi. Comment m'a fait honte, monsieur? No way, I'm not ashamed of the gospel. Je n'ai point honte de l'évangile. Et maintenant, Paul pourrait révéler, monsieur, attendez bien. Si m'a honte l'évangile, parce que m'a voulu vivre. Et maintenant, qu'il est nous-mêmes qui passons l'évangile à ma pied, et parce qu'on n'a pas besoin de vivre matin. Look at verse 17 in Romans chapter 1, verse 17. Gardez Romains chapitre 1, verset 17. Pour conclure, ça Paul Brel dit, qui aime ta faire honte? The gospel is my lifeline. C'est ça connecté ma bon Dieu bon la vie. Si je quitte l'évangile comme si je me passe son ciseau, je coupe la ligne de vie, je ne pas encore. Look at verse 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Look at that. Le juste vivra par la foi. The righteous one shall live by faith. Le juste vivra par la foi. Can you imagine this morning, a lot of people in Haiti, they don't have any jobs. They don't have any bank account. They don't have any fridge. Even though they have a refrigerator, they don't have any power. Some of them are hiding in a hole. They seem to be hopeless, but in Christ they are not hopeless, they are hopeful. Because why? They shall live by faith. Le juste vivra par la foi. Vous êtes heureux ce matin, chers frères et sœurs, mais en pile fois, nous ne pas comprendre ça. Dieu vous a donné l'opportunité pour capable vivre, vous l'inquiétude ou pas gain matin. Par la foi, le Seigneur vous a changé. Par la foi, le Seigneur vous a donné beaucoup de possibilités de vivre. Mais il y a un matin qui dit nous, il n'y a pas qu'à compter combien de jours il y a un début pour manger matin. Et quand pile là de pendant ou caché Bible là dans mes, même si vous avez Bible, méditer sur la parole de Dieu, il a dit Seigneur, me songe dim dans Bible là d'après un roi ou tes un serviteur créé Élie, il t'a caché dans ton roche ou te prends soin là. Seigneur, pas quitter mourir dans ton roche là. M'a sorti ou bon la vie ou bon manger pour mal prêcher l'évangile. Il avait bon Dieu avec. Car le juste vivra par la foi. Peut-être maintenant on en salle alors bien heureux pas comprendre ça. Mon gros projet pour quitter l'évangile. La paix mon diable. Parce qu'on a un matériel au besoin de Jésus pour qu'on parle. Quitter nous soin sans ce matin. Si Christ arrive à avoir pas ici, les cabos sont besoin matin. Le juste vivra par la foi. Just believe, trust in God, and he shall provide for you. May the Lord bless you this morning. Amen. Gloire à Jésus.
Non, Jésus gagne un sens, Idou 45. Lui chasse tristesse, non. Non, lui secoue, yon guérison, pas gagne un pi bel son. Non, li secou yon guérison, pa gen yon pi bel son. Non, Jésus calme les troublés et l'esprit fatigué. Li ko yon soit l'Éternel. Merci Seigneur. Louange à toi Jésus. Ce matin, nous avons encore le privilège, en ce 11e mois de l'année 2019, de nous approcher à la table du Seigneur pour rompre le pain, symbole de son corps, et boire le vin, symbole de son sang, le sang purificateur qui nous a donné la vie éternelle. Vous qui êtes déjà plongé dans les eaux du baptême, ce matin, vous êtes invité à la table du Seigneur. Sont baptisés déjà, vous êtes capable de communier ensemble avec nous. Et seulement, on va mettre debout lorsque nous va passer pour être capable d'identifier. Et qu'ainsi, nous va faire cet exercice en attendant le retour imminent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et sous ta salle là, vous sentez beaucoup plongé dans les eaux du baptême. Au bon gon contrariété qui fait que sous baptise ou pas qu'à prendre la scène. Ask yourself. If Christ has to come today, si Jésus a venu matin là, moi pas qu'à prendre la scène, ça y est, je me sens mon blocage. Je pas baptisé parce que mon blocage. Est-ce que m'a monté? And I'm pretty sure the answer should be no. Parce que même ça, pas qu'à faire communier, même ça, faut pas qu'à plonger dans les eaux du baptême, non? Ou pas qu'à transformer pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et sous la tomate, peut-être, on va prendre la scène, non? Mais on connaît des something wrong. You understand? You may fool people for a while.
Mais si trompette la sonne qu'on y a, ou après mon ap monté, ou même après ta classe, non, pas qu'à transformer. Paul de dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 que chacun s'examine. We are not there to judge anybody. Nous pas là pour ne juger personne car nous, je ne vous connais pas. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que le Seigneur libanon l'évangile, libanon la Bible, pour nous capables de pratiquer et vivre en enfant de Dieu. Le monde des dos, la croix devant Dieu. Vous divorcez avec le monde et des hommes vont faire route là avec Jésus. Même là, apparemment, ça va marcher pour même, socialement, économiquement. Mais l'auteur a dit, Dieu prendra soin de vous. Maintenant, on encourage pour vivre sérieux avec Jésus. Car bon Dieu, son être sérieux que lui. Ceci étant dit, pendant qu'on prend un petit temps pour examiner, nous allons prier sur le pain et sur le vin pour demander à Dieu de répandre ses grâces et ses bénédictions. C'est l'objet que nous pourrons prendre maintenant. Prions le Seigneur. Dieu puissant, Père créateur immortel invisible, nous te présentons ce pain, symbole de ton corps qui a été battu, crucifié à la croix pour nous donner la vie éternelle, mais ressuscité au troisième jour. Quelle grâce! Daigne, ô Dieu, répandre ta bénédiction sur ce pain, fait de mes dômes, mais symbolisant ton corps. On va bénir pour nos matins, Seigneur, et chacun de nous va manger, nous va gagner la conviction que nous sommes membres de ce corps. Et en tant que tel, nous devons conserver nos purs en attendant ton retour. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre bon Père céleste, en Jésus-Christ, nous te présentons aussi ce vin, symbole de ton sang qui a été répandu pour nous au calvaire. Ce sang libérateur qui nous a pardonné, qui nous a justifié, qui nous a donné accès au ciel, la vie éternelle. Permet au Dieu capable de bénir du vin ça. Et chaque monde qui va boire le matin, on va avoir la conviction que sans couler dans le vin de nos seigneurs, ou régénérer nous, et qu'on s'en va conserver nous purs, jusqu'à ce qu'on va tourner venir chercher ton église. Fais-nous grâce, Père, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et au même cap prend la scène, on va camper, de nous passer, mon capable d'identifier. Those of you who are taking part of us, please stand up, so I could identify you. Pour toi, rédempteur, précieux, huit réveillons-nous. Chante un anime d'amour. Ma voix s'élève vers toi, vers mon Dieu. Car de toi vient le secours de ma fête, le cours, ma force de chaque jour, c'est Jésus. Moi, Jésus, quel âme précise, je trouve en Jésus. Par son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. Savait, il m'a donné mon Jésus. Tu subis mon châtiment pour me donner le salut. Tu sur toi mes tourments, moi
Jésus. Mon cœur ne désespère plus. Mon âme n'est plus abattue. Je suis toujours soutenu par Jésus. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Je trouve en Jésus par son sang, il m'a lavé par sa mort, il m'a sauvé de sa vie, il m'a donné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le distribua à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Chers frères et sœurs, ce pain représente le corps de Jésus qui a été crucifié pour nous donner la vie éternelle. Mangeons ensemble avec action de grâce. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et rendit grâce et le distribua à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour plusieurs. » Car, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous devons annoncer la mort et surtout la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Ce vin représente le sang de Jésus, le sang purificateur qui nous donne la vie éternelle. Buvons ensemble avec action de grâce. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Un merveilleux sauveur pour moi. Car mon âme cachée au fond de ça, car mon âme cachée au fond de ça, et trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le crevassé s'est cachée, et Dieu me couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin se détacher. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Oui, mon âme, mon âme, mon heure crevassée s'est cachée, et Dieu me couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi
prier pour nous terminer. Nous allons remercier le Seigneur ce matin qui a accordé nous un grand privilège au début de ce 11e mois. Quand on a adoré le Seigneur, loué le Seigneur et écouté sa parole et on communie ensemble avec lui. Si nous comprenons, nous remplis ou chargés pour capable entrer dans moi avec les provisions célestes. Faites de vous ce matin un ambassadeur, une ambassadrice dans place que vous pralliez pendant moi, à l'école, au travail, à la maison, pour à travers ou même pour lumière l'évangile capable de briller. Nous allons prier le Seigneur pour ça ou pas là avec nous matin, mais qui t'a suivi ce service à travers les ondes. Le Seigneur capable de toucher tout matin. Priez, remerciez le Seigneur pendant que nous pourrons le déplacer ensemble. Dieu puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Nous nous remercions pour cette grâce spéciale, oh Dieu, ou accordez-nous ce matin. Ton église, Seigneur, ta congrégation t'est rassemblée sous ton égide. Et dès le début de ce service, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as accompagnés, Seigneur, jusqu'à cette minute. Oh, quelle grâce! Merci pour ta fidélité, pour ta compassion, oh Dieu. On va bénir et répandre encore ta grâce sur chaque monde qui était là matin. Côté vlek pour te participer avec nous, Seigneur. Soit physiquement ou bien à travers les zones. Ça, ok, pour suivre ce service. Qu'elles sont sources de bénédiction pour chacun de nous. Voici, oh Dieu, nous allons séparer en la chair, mais en esprit. Nous allons arrêter, Seigneur, d'attacher l'un avec l'autre. On va prier pour l'autre, Seigneur. Et au son de la trompette, nous allons avoir le privilège d'être transformés pour aller à ta rencontre. Bénis ta servante, oh Dieu. Ou te confier la direction de ce service. Ou va, Seigneur Dieu, mettre force encore grâce dans lui-même, Seigneur Dieu. Bah, la santé, la bonne disposition, Seigneur Dieu, la fidélité envers toi pour le capable de ton instrument entre tes mains. Chaque monde qui te prend part dans ce service, petite fou, Seigneur, la surtaille, chaque des sous console là. Oh, cher au Seigneur, ça a été fait lecture, ça a été prié. Et chaque monde qui te participé, ton serviteur te utilisé maintenant, comme seulement on vient vaisseau maintenant. Mon Dieu, utilisé pour te parler la paix pour matin, Seigneur. On va bénir nous. Qu'est-ce que nous en grâce au Seigneur? Nous allons le déplacer. Mais nous mettre semaine en amont, reste journée en amont, Seigneur. Mais moi en amont, reste année en amont, Seigneur. On va prendre contrôle de toutes choses. Et qu'ainsi, oh Dieu, nous sommes capables de sortir plus que vainqueurs. Écoute nos cris, Père, nous te demandons toute cette grâce. Non en vertu de nos mérites personnels, mais c'est au nom et par le seul mérite de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Grâce infinie. Oh, quel beau don pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon aveugle. Le mais je vois. Allez en paix, nous dit Jésus. Voici, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voici, je viens bientôt, nous dit Jésus. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous sauve. Que l'Éternel vous défende, ou même quand tu avais matin. Ou même qui est malade, que l'Éternel vous guérisse. Que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit, reste et demeure éternisé dans nos cœurs et nos pensées. Nous donne la paix, la joie, la victoire en Jésus, à présent éternellement. Maranatha. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus.